les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle rentrée. Voilà, que le mois de septembre s'est super bien passé. Donc, bah, moi, comme prévu, je vous prépare donc le tirage au sort pour les 7000, 8000, 9000 et maintenant 10 000 abonnés. Waouh! Merci, merci, merci. Je me rends même pas compte à quel point tout ça va très vite. J'ai même pas le temps de me retourner, je suis partie une semaine, je suis revenue, j'avais 2000 abonnés, vous êtes juste magnifique. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, je ne pensais pas que voilà, ce que je pouvais proposer pouvait intéresser autant de monde. Donc voilà, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Et donc ça me paraît évident, voilà, de vous rendre de temps en temps, bah voilà, l'appareil, quoi, hein, vous me donnez, donc je donne aussi. Alors je donne déjà beaucoup dans mes vidéos, c'est vrai. Mais voilà, je me dis, faire des petits tirages au sort comme ça de temps en temps, bah pourquoi pas. Je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer voilà, un tirage personnalisé, une guidance. Après, mes tarifs restent abordables, mais c'est vrai que c'est un coût. Je sais très bien, il y a encore quelques mois, voilà, il y a un an en arrière, je ne mangeais pas tous les jours. Donc je sais très bien que tout a un coût. Et donc c'est aussi pour ça que je me permets de temps en temps voilà, de proposer des choses gratuites. Voilà, si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Donc là, les deux premières gagnantes, c'était deux Véronique. Donc j'ai trouvé ça cool. Ça m'a fait plaisir. On a passé des... C'était des bons moments de consultation. C'était top. Donc là, bah, maintenant, il va y avoir une troisième personne. Alors, j'ai pas fait une pour les 7000, une pour les 8, pour les 9 et une pour les 10. Non, je... Pardon. Matériellement, c'est compliqué aussi pour moi parce que ça me prend du temps. Donc, j'essaye de faire ça entre deux consultations. Voilà. Donc, voilà. Bon, je ne peux pas faire toujours 7, 8, 9, 10 à chaque palier. Mais là, bon, 10 000, je ferai peut-être quelque chose quand même parce que 10 000, c'est beau quand même. Alors, je n'ai pas retenu son nom et j'en suis désolée. Qui m'a mis deux fois, vous verrez, vous serez à plus de 10 000 avant Noël. Oh, il y a un mois, je me suis dit, ouais, quand même, 10 000 avant Noël, c'est fort. Non, c'est magique. Merci pour tout ça. Voilà, donc bah, moi je suis en pleine forme, comme vous le savez. Voilà, j'ai fait mon petit trek avec mon fils. Le plus grand, le deuxième, n'est pas venu finalement. Bon, voilà, il a ses raisons. Mais c'était juste magnifique. Je suis revenue pleine de projets. J'ai plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, comme vous le savez, j'en profite hein, voilà, dans les petites vidéos comme ça pour faire des petits apartés et parler un petit peu de moi, parce que j'en parle pas souvent. Voilà, donc je suis thérapeute énergéticienne également, bon, cartomancienne bien sûr, médium, passeuse d'âme, voilà. Mais effectivement, le but d'aller au Maroc, c'était aussi de rencontrer donc Hassan, le nomade, voilà, avec qui je m'associe du coup. Et on va proposer des treks donc dans le désert marocain, des treks. Alors moi, je vais y associer des soins énergétiques, je vais y associer de la méditation tous les matins et tous les soirs, de la relaxation. On va faire de la marche de pleine conscience. Je propose pour ceux qui le souhaitent, donc c'est en plus, mais voilà, je le propose, des initiations au Laoshi, donc qui est un soin énergétique. C'est un peu différent du Reiki, mais bon, pour faire simple, c'est un peu la même chose, mais c'est un petit peu différent quand même. Hein. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, je propose une initiation. Donc, je peux vous former comme ça, voilà, lors du trek. Qu'est-ce que je propose d'autre? Bon, bah, il y aura des tirages de cartes pour ceux qui le souhaitent. Je propose une initiation gratuite à l'EFT avec une séance de groupe sur une matinée. Je crois que c'est le troisième jour. Voilà, une séance de groupe d'EFT pour faire découvrir l'EFT, pour que les gens puissent repartir avec un outil qu'ils puissent utiliser chez eux. Voilà, donc là, j'ai choisi de le faire au moment de Noël parce que je pense beaucoup à ceux qui sont seuls à Noël. Ceux qui n'ont pas forcément leurs enfants, ceux qui n'ont pas de famille. Bon, il n'y a pas que, bien sûr. Hein, voilà, des fois, on a envie aussi de faire Noël à l'extérieur et pas forcément que chez soi. Mais là, j'ai pensé plus particulièrement à ceux qui n'ont pas forcément leurs enfants ou ceux qui sont tout seuls à Noël. Voilà, donc le trek, il est du 21 au 29. Donc, c'est un trek de 9 jours. Je vais essayer de vous mettre les informations en dessous de la vidéo. J'essaierai de vous mettre dans tous les cas au moins mon lien pour ma page Facebook, là où j'ai créé l'événement sur, voilà, sur Facebook, pour que vous puissiez avoir les renseignements. Voilà, donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme nouveau projet? J'ai envie d'aller me faire une petite retraite en Inde aussi l'année prochaine. Enfin voilà, aller méditer, aller prier. Ce trek dans le désert a été ultra bénéfique pour moi. J'ai découvert un pays juste... splendide.
J'ai découvert une humanité que j'ai jamais rencontrée en France, même parmi les gens les plus humains en France, même parmi mes amis, voilà. Même moi, qui suis très humaine, qui fais beaucoup les choses avec le cœur, là-bas je suis toute petite, quoi. On n'est rien. Enfin, je veux dire, j'ai. Waouh! Ça a été juste magnifique. Bon, ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il y avait quand même une journée, je crois que c'était la journée de mon anniversaire, on est monté à 45 degrés. Donc bon, mon corps a quand même un petit peu lâché, on va dire. Hein. Là, j'étais bien contente d'avoir le dromadaire. Mais voilà, après, voilà, ça m'a permis aussi de me rendre compte ce que je pouvais proposer ou pas dans les treks que j'organisais avec Hassan. Et donc effectivement, septembre, c'est encore trop chaud. Donc mes treks, je les organiserai fin octobre, début novembre. Voilà, jusqu'au mois d'avril. Pour moi, c'est la meilleure des périodes en termes de température. Parce que bon, bah voilà, on n'est pas forcément habitué non plus, nous, à un climat aussi sec, parce que c'est vraiment très très sec. Après, on manque de rien, hein. On a de l'eau, on a tout, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Bon, voilà, je referme la parenthèse, mais je voulais vous en parler. Je sais que ça peut intéresser des gens. Donc voilà, de toute façon, sous toutes les vidéos, il y a mon mail, toujours. Voilà, donc ensuite, alors c'est pareil, du coup, sur mon site internet. Alors, je vais essayer de le mettre aussi, ça y est, il est pratiquement fini. Il y a encore des petites mise au point, des petits détails de dernière minute, mais logiquement, voilà, il se termine, comme ça vous aurez mes tarifs, vous aurez tout. Je suis en train de faire, donc là c'est plutôt par rapport à la psychologie énergétique, à l'EFT, un atelier pour la gestion du poids. Donc je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, je suis hypersensible et j'ai été beaucoup dans l'alimentation émotionnelle, et donc depuis voilà, la naissance de mon deuxième, bon, qui a 16 ans maintenant, qui va prendre 16 ans à la fin du mois, j'ai perdu 50 kilos. Donc l'alimentation émotionnelle, je sais ce que c'est. Des régimes, j'en ai fait plein. Ça marche pas. Voilà, on reprend encore plus. Parce qu'en fait, on n'a pas bien ciblé, voilà, le cœur du problème, j'ai envie de dire. Et pour beaucoup, je ne vais pas dire la totalité des gens, mais au moins la moitié, voire les trois quarts, c'est les émotions qui nous font manger. C'est les émotions, ce sont nos émotions qui nous poussent à, voilà, aller grignoter du sucre, du chocolat. Voilà, avoir engendrer des comportements alimentaires pas top. Donc ça c'est pareil, je suis en train de préparer un atelier de gestion du poids. Donc l'EFT, bah, ce sera 15 vidéos. Donc j'ai déjà quasiment fini, il doit m'en rester deux à préparer, je crois. Donc vous voyez, c'est sur la fin. Il y a 15 vidéos, donc c'est pareil. Là, c'est pas encore sur mon site, mais j'y travaille, mais je fais tout toute seule. Même mon site internet, ça fait un an que je suis dessus. Je fais tout toute seule, donc j'ai aucune aide. Donc merci de votre patience et de votre compréhension, mais j'essaye de faire au mieux. Voilà, donc pour le moment, elles ne sont pas encore sur mon site internet, mais je vendrai mes vidéos une par une. C'est pas très cher, une vidéo d'EFT, ça va être dans environ 13 euros, 13-14 euros. Donc vous voyez, voilà, ce sera tout à fait accessible. Une vidéo, un tapping d'EFT, ça dure à peu près 20 minutes. Et donc voilà, une fois que vous l'aurez acheté, une fois que vous l'aurez payé, elle sera pour vous, elle sera téléchargée, vous la referez, voilà, quand vous aurez besoin. Donc il y a plein de choses, ça va être sur donc l'alimentation émotionnelle, sur la relation qu'on a par rapport à son corps, sur l'image qu'on a de nous-mêmes, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, mais liée à l'alimentation et aux problèmes de surpoids, la dépendance au sucre, au chocolat, la boulimie, enfin voilà, je vais les crises quand on a besoin de se remplir, tout ça. Voilà, donc tout ça, ça va être bientôt sur mon site internet, pareil. Donc je vais quand même vous mettre le site en dessous, comme ça déjà, voilà, vous verrez. Et puis je pense que je vais vraiment très 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 bientôt le terminer. J'essaye de faire au mieux. Donc bon, voilà. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés, ce que je vais proposer par la suite. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Donc bah, merci également. Je le dis toujours, mais c'est vrai, à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Là, je ne vous cache pas que l'agenda, il est plein quasiment à quinzaine maintenant. Hein. J'ai quasiment 15 jours, peut-être même un peu plus parfois, 15 jours de délai avant de fixer des nouvelles consultations. Parce qu'entre les soins énergétiques, la psychologie énergétique, les guidances, voilà, ça commence à se remplir. Donc, c'est une très très bonne chose, mais voilà, je préfère vous prévenir également. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est bon, on est parti pour, bah pour les 7, 8, 9 000 abonnés, 10 000 maintenant. Alors, donc c'est parti. Donc je regarde pas. Roulement de tambour. Enfin, moi, ce serait plutôt roulement de batterie parce que je joue de la batterie, mais pas du tambour. Hop.
D'accord. Ah, bah c'est cool, elle porte mon prénom. Ce sera Céline. Ce sera Céline Choc. Donc le commentaire de Céline, c'est bonjour, je participe, merci pour vos guidances qui nous orientent dans cette vie où tout peut être si compliqué. Bon bah Céline, c'est toi, c'est vous. N'hésitez pas à me contacter, hein. Donc voilà, comme d'hab, en dessous, je laisse mon mail. Comme ça, vous allez pouvoir me contacter et puis qu'on puisse programmer la guidance. Donc c'est une guidance d'une heure. Donc bravo à vous. Donc Céline, chuc, choc. Choc. Bon bah c'est génial, bah, je suis contente. Voilà, encore une personne qui va pouvoir profiter d'une guidance. Donc c'est cool. C'est cool. Je suis vraiment ravie. Bon bah je vais reprendre les taroscopes petit à petit. Puis je vais vous les mettre d'ici la fin du mois. J'ai essayé de vous faire également une vidéo sur les missions de vie. Voilà, je devais en faire au mois de septembre, mais tout s'est accéléré pour moi entre mon voyage, les préparatifs et tout. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, je vais vous en faire une là, certainement au mois d'octobre. Donc, je vais vous la mettre également en ligne. Voilà, bon, bah, je suis ravie pour Céline, c'est cool. Merci à tous ceux qui ont participé. De toute façon, je continuerai, donc vous inquiétez pas. Et puis, bah, après, voilà, même si j'ai atteint un nombre d'abonnés et puis que ça stagne, et ben, c'est pas grave, je continuerai de temps en temps à faire, voilà, des petits tirages au sort comme ça, juste pour le plaisir. Bon, bah, je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et puis, bah, Céline, voilà, à très vite. Je vous embrasse. Bisous, les amis. Salut!